Wesh l'équipe, c'est RTXLU, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le titre, la saison 3 de Fortnite est repoussée les gars. Donc franchement ça commence vraiment à me saouler. Enfin bref, juste avant que la vidéo commence, je vais vous demander d'aller voir un peu mes vidéos, voilà. Bon bah les cadeaux à gagner c'est des lives bien sûr. Et j'ai vu que pas grand monde avait vu la vidéo là. Je fais des dons à des streamers, elle fait que 56 vues. Donc je vais vous demander d'aller la voir, franchement pas mal. Après, vous voyez comment installer Fortnite sur Android, faire top 1 en ouvrant un seul coffre. Je cherche un showmatch. Je vous le disais, Oh. Excusez-moi, un petit problème de connexion. donc Aurélien Fantonin, il a répondu à mon message. Dario Benedetto. Les gars, sur cette vidéo-là, on est bientôt 1300 vues. On est à 1298. Donc, les gars, je compte sur vous. Après, les gars, je voulais vous demander d'aller voir ma communauté. Donc, là, je vous explique. Donc, je suis dans la RTX, moi aussi, comme vous pouvez le voir. Donc, ça, c'est un pote à moi qui a fait une vidéo il y a 3 heures actuellement. De toute façon, les gars, je pense que moi aussi, je sortirai la vidéo tout simplement pour rejoindre ma team. Donc, les gars, allez vous abonner à cette chaîne-là. Et ces montages sont vraiment stylés. Donc, allez voir ma communauté de toute façon. Vous Enfin bon lisez. bref les gars, on va passer tout simplement au vif du sujet. Donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs youtubeurs qui ont fait ça déjà, qui ont fait des vidéos sur ça, mais c'est pas grave, je vais quand même la faire. Du coup les gars, comme on peut le voir, Epic Games ont tout simplement repoussé au lundi 15 le lancement de la saison 3 au mercredi 17 juin. Sachant que cette dernière avait déjà fait l'objet de deux reports et aurait initialement dû commencer le 1er mai. Donc en gros, c'est-à-dire que la saison 3 aurait dû commencer le 1er mai. Donc dans un communiqué simple et efficace, Epic Games explique aux joueurs que ce report pardon, est un geste envers les membres de son équipe concernés et préoccupés par les événements sociaux du mouvement Black Lives Matter. Oui les gars, c'est pour ce qui s'est passé pour George Floyd, voilà quoi. Vous avez compris. C'est quoi actuellement les États-Unis et qui a trouvé un écho dans bien d'autres parties du monde, dont la France. Bon, du coup, les gars, je vais vous expliquer pourquoi Fortnite ont repoussé la saison 3 de Fortnite. Donc, en fait, c'est tout simplement à cause des événements qui ont lieu aux États-Unis. Donc, il y a eu la mort de George Floyd. Du coup, il y a plein de manifestations. Je sais pas si vous avez vu un peu. Aux États-Unis, il y a beaucoup de manifestations et tout ça. Enfin voilà. Je pense que tout simplement dans la saison 3, ils vont rajouter peut-être des skins, plusieurs choses sur la map, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Tout simplement. Si vous avez des idées, dites-les-moi en commentaire de ce qui peut se passer pour la saison 3. Voilà, voilà quoi les gars. Donc du coup, allez regarder un peu mes vidéos, je vous en supplie les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir de la regarder en entier, comme d'habitude. Et allez vous abonner à RTX Cinewi. Hop, voilà. Après les gars, là, ça c'est la chaîne d'un pote. Il poste des vidéos tous les jours, presque. Ça c'est la partie 2 de la série de top 1, là. Enfin voilà. Et ça c'est, par exemple, la meilleure touche pour Edit. C'est la même personne. Voilà. Donc allez voir ça, allez liker. Ça ferait plaisir quoi. Sinon les gars, je voulais vous demander tout simplement, j'ai déjà montré ce site dans une vidéo, mais s'il vous plaît, allez voir cette appli, elle s'appelle TV2, ce sera écrit dans la description tout simplement. Ah, petite pause sur la vidéo, tout simplement pour vous préciser que je ne suis pas rémunéré par cette Mais application. là, vous avez des points. En fait, les gars, je vous explique. Donc, vous avez des points. Là, j'en ai 19 000. Donc, vous pouvez récolter 500 points en regardant une vidéo, tout simplement. Et aux 50 000 points, donc ça fait 100 vidéos, vous gagnez 5 euros. Ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, les gars, s'il vous plaît, avec ces 5 euros, soit vous pouvez me faire des petits dons. Genre, Sinon, avec avec cet 1 argent, vous euro. pouvez vous acheter des trucs Amazon, je sais pas moi, tout plein de trucs les gars. Sur tous les sites, vous pouvez payer grâce à ça. Et en environ 2 semaines, vous gagnez les 5 euros. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une petite astuce pour vous pour gagner un peu d'argent si vous voulez. Voilà, tout simplement quoi.
Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir. Donc les gars, sur cette vidéo, objectif de 20 likes. Dites-moi dans les commentaires des idées de contenu. S'il y en a une qui me plaît, je la fais et je peux vous faire une pub, tout simplement. Voilà. Et moi je vous dis salut, salut.